wa mana zaho usikiri wawe wa hadwa daima. GG Bouémi, GG Monnier, GG les enfants, GG Wanadza, Wazaza, Bakoko, Bakiki, Bakaka, GG tout le monde. Alors que je suis content de vous retrouver sur les antennes de la télévision pour une nouvelle émission, pour un nouveau numéro, pour une nouvelle édition de... Eh oui, une nouvelle édition de 100% Bagarre. Rendez-vous avec Fouadi. Vous l'avez compris, derrière moi, c'est l'aéroport. Je suis sur un chariot. Et pourquoi je suis sur un chariot, madame? Pourquoi je suis sur un chariot, madame? Je vais vous l'expliquer. On va tout simplement poser la question à Fouadi. Où vont nos bagages? Alors, ça paraît tout bête, hein, cette question. Mais c'est vrai, quand on va à l'aéroport, on arrive avec nos valises. Et comment elles font pour arriver jusque dans l'avion? Est-ce qu'elles sont rangées dans l'avion? Mais comment elles font pour arriver dans l'avion? On a rendez-vous avec Fouadi, il va nous expliquer tout ça. Pour l'heure, on va y aller. Hein, Daniel? D'accord, hein? Allez, c'est parti. Il y a personne derrière? Comment ça, il y a personne derrière? Il y a personne qui va pousser le chariot? Mais je suis assis sur le chariot, normalement, il y a quelqu'un qui doit pousser. Donc personne ne pousse. Bon, je crois qu'il est là, viens, suis-moi. Tu me suis, Daniel? Bon, allez, on y va. Fouadi? Bonjour, Fouadi. Oui, bonjour. Ça va? Ouais, bien. Ouais, ben, merci de nous recevoir. On a juste une petite question à te poser. En fait, on fait une émission sur les bagages. On voudrait savoir comment les bagages arrivent à destination. Quand on amène avec un bagage ici à Mayotte, ouais, comment les bagages arrivent à destination? Est-ce que tu veux bien nous expliquer tout ça? Ouais, je veux bien vous expliquer. En ah, fait, en super. Gros, ce qu'il faut, il y a un contrôle des bagages. Hein. Ouais. Quand vous arrivez, il y a un tag, donc le ticket bagage. Ouais. Vous faites l'enregistrement, vous remettez une pièce d'identité. Ouais. Dans ce tag, le numéro de bagage, c'est un numéro qui est suivi. Ouais. Donc, c'est la carte d'identité, en fait. On va dire la carte d'identité, ouais. C'est un numéro de série. Ouais. C'est vérifié, c'est traqué, enfin traqué, c'est checké, enregistré. Ça passe par les ordinateurs, un système informatique. Ça passe par le tapis. Ouais. Et une fois que c'est rentré à l'intérieur, c'est contrôlé également avant qu'il soit mis... Dans l'avion. Dans l'avion. Et donc là, les bagages, ils passent comment là? On peut voir On peut voir, mais des yeux, ouais. Des yeux, on peut pourquoi regarder. Des yeux. Bah, parce que là, on ne peut pas aller plus loin, parce qu'il y a une zone, normalement, on est en deux parties, hein, ouais, côté ville, côté piste. Donc on évite de faire rentrer les gens dans cette zone qui est réglementée, qui est contrôlée par un. Allez, Fouadi, on voudrait juste voir comment fonctionnent les bagages. C'est pas possible, mais si tu veux voir, tu fais comme les bagages, hein, tu montes. Hein. Mais je monte quoi? Bah, tu montes sur les tapis. Ah non, je vais pas monter sur le tapis. Fouadi. Bien sûr, tu peux, vas-y. Je te dis que c'est pas possible. Essaye. Daniel, on monte sur le tapis? Non, mais tu m'auras fait n'importe quoi, Daniel. Je te jure que ça commence vraiment à bien faire, là. Bon, allez, on monte sur le tapis. Je sais pas comment ça va se passer, là, mais on va bien voir. Hein. C'est parti. Donc, on va voir les bagages. Bon, en fait, les bagages, ça fait bizarre dans le derrière, dessous, dessous, hein, Daniel? Oh, bonjour, madame, je vais à Paris, hein? Là, ça va être compliqué, là, non? Là, ça va être très compliqué. Je sais pas ce qui va se passer, mais ça va être compliqué, là. Non, non, pitié, pitié, pitié! Alors là, on est de l'autre côté. Regarde, Daniel. Derrière ce mur, alors là, c'est un mur blanc. Jusque-là, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais derrière ce mur, c'est là où il y a toutes les banques. C'est là où on arrive avec nos bagages. Et c'est derrière ce mur qu'il y a ce fameux tapis roulant sur lequel j'ai roulé pour arriver jusque là-bas. Et là, on arrive dans une pièce, Fouadi. On va redevenir sérieux parce que tout à l'heure, on plaisantait un peu, mais c'est très, très sérieux tout ça. On arrive dans un endroit qui est ultra sécurisé. C'est quoi cet endroit ici? Oui, mais ici, c'est dans le local de contrôle sûreté. Ouais. On a les bagages qui arrivent par là. Ouais. Et ici, on a une machine qu'on ne peut pas filmer. Ouais. Mais
normalement, c'est une machine qui contrôle les bagages pour éviter tout acte de malveillance, oui. Donc terrorisme et autres. Et c'est un contrôle qui est quand même assez, assez poussé, oui. Strict, par rapport à des... par rapport aux attentats. Et... D'accord, bien sûr. Donc en fait, c'est une espèce, on le voit là, les valises qui arrivent, Daniel va vous la montrer en direct live, les valises qui arrivent, elles sont tout simplement scannées dans cette machine, ouais. Et on voit tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire que c'est impossible de sortir ou de faire rentrer, parce que ça marche aussi dans l'autre sens, ouais. De faire rentrer du matériel illicite dans les bagages. Voilà, parce que c'est des machines qui sont normées, ouais. Qui respectent la réglementation internationale au niveau de l'aviation civile, ouais. De l'État français aussi. Regarde Daniel, les lumières vont s'allumer, ça veut dire qu'il y a un bagage qui arrive et il rentre dans l'appareil, dans le scanner. Et voilà, là il est à l'intérieur. Et on n'a pas le droit d'aller plus loin, on n'a pas le droit de vous en montrer plus. C'est la règle. Non mais qu'est-ce que tu fais là, Daniel? On t'a dit que c'était interdit. Arrête, non, arrête, arrête, c'est interdit de filmer ici. Stop, stop, Daniel, ça suffit, ça suffit. Ah ok, bien, d'accord, mais là, ouais, on va y aller, mais il faut d'abord que tu mettes le gilet. Parce que là, on va aller là-haut et il faut mettre le gilet. Ah, c'est obligatoire, il faut mettre le gilet. Donc on va mettre le... Évidemment, on va mettre le gilet, c'est la règle. Bon, en même temps, on plaisante avec tout ça, mais au niveau sécurité, et on ne se rend pas vraiment compte quand on est de l'autre côté de la banque, il y a tout un processus hyper strict pour que, d'une part, les bagages soient en sécurité, d'autre part, qu'ils puissent être vérifiés, que le personnel soit également en sécurité. Ouais. On ne se rend pas compte hein, quand on est de l'autre côté hein, de tout ce qui se passe. Hein. C'est fou, hein. C'est une véritable usine. Est-ce que tu as une idée du nombre de mètres de tapis qu'il y a pour un bagage, pour que le bagage puisse aller de la banque jusqu'à l'avion? On a environ entre 150 et 200 mètres. 200 mètres. 200 mètres. Ça veut dire que notre bagage va parcourir quasiment 200 mètres avant de pouvoir monter dans l'avion. Voilà, c'est ça. C'est avant d'arriver sur le récupérateur des bagages. Ouais, qu'on appelle aussi le carrousel. 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 Donc là, on est où? Bah là, on est au niveau du carrousel. Carrousel. Ah oui, le fameux carrousel. C'est là où les bagages arrivent. En fait, venez voir, vous allez parfaitement comprendre. C'est-à-dire que sur ce toboggan là-haut, tapis qu'on a vu tout à l'heure, les bagages tombent sur le carrousel et puis on a des agents qui récupèrent ces bagages et qui les mettent évidemment dans les chariots. Viens voir Daniel. Non, non, mais il faut que je vous montre. Ça c'est des hommes, monsieur. Ça c'est des hommes. Regarde ça. Eh bien nos bagages, ils sont quelque part là-dedans. Tout simplement. Et toujours référencé avec le fameux... Référencé avec le tag. Hein, le tag, le fameux tracking. Le tracking. Qu'on voit bien sur ce tracking. On a le numéro de vol. Il y a une espèce de code barre. Ouais. Le code barre, il donne quoi comme information? Il donne la référence, le nom de propriétaire du bagage. Ouais. Ainsi que le poids. La destination. La destination, voilà. Et la provenance, forcément. Voilà, c'est ça. Forcément. C'est incroyable. Après, bon, on a un récap sur le... Donc, ça veut dire que là, on a les références... de tous les bagages qui sont dans le chariot. Voilà. C'est incroyable. Donc il est vraiment suivi à la trace. Hein. Ouais. Tiens, il y a un bagage, viens, je vais le récupérer. Je ne sais pas qui il est celui-là, mais honnêtement, mais mettez moins de choses dedans, surtout quand vous savez que c'est moi qui fais l'émission. Ah voilà. Voilà, on y fait quand même attention. Vous y faites attention? Non, alors celle-là, elle est grosse. Hein. Alors les grosses, c'est pas moi, c'est toi. Évidemment, vous voyez, tous ces chariots sont pleins de bagages. Petite précision, tout à l'heure, vous m'avez vu prendre un bagage pour le sketch, pour rigoler, et le mettre dans un chariot. Seulement voilà, on l'a fait pour l'émission pour rigoler, mais normalement, c'est totalement interdit. Personne n'a le droit de toucher un bagage s'il n'est pas habilité. Eh oui, c'est comme ça aussi la sécurité. C'est d'une part la sécurité et prendre soin de nos bagages, tout simplement. Tout le monde n'a pas le droit de toucher nos bagages et c'est plutôt une bonne chose. Allez, on est parti. Les bagages, c'est moi qui vais les mettre dans l'avion et on va bien les mettre. Ça, c'est sûr, croyez-moi. Swad, ça y est, on est au pied de l'avion, vous le voyez, on triche pas, on est vraiment sur le terrain. Donc maintenant, les bagages qui sont là, au pied de l'avion, comment vous allez les mettre dans la soute? Est-ce que c'est bagage par bagage? Non, tous les bagages sont dans les chariots, donc on va mettre pas dans les chariots, c'est les chariots qui seront mis dans l'avion. Donc c'est directement les chariots qui sont mis dans l'avion? Directement alors. Les chariots, sachant que dans les chariots,
on a une numérotation, on connaît les bagages qui sont dans les chariots, on connaît également les propriétaires, donc voilà, on les retrouve après. Donc l'image que l'on a où on voit nos bagages qui sont chargés dans les avions, c'est pas sur ce genre d'avion, c'est sur des petits avions. Voilà, voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Et c'est des choses qu'on évite. Ouais. Et la hantise des personnes qui ont en charge la gestion de ces bagages, c'est quoi? C'est d'en perdre un? C'est? D'en perdre un? Non, il faut pas. Non. Mais vous y pensez déjà souvent à ça? Faire attention pour pas que ça arrive? Il faut pas que ça arrive parce que si jamais ça arrive, il y aura un problème de sûreté qui va se poser. Où est passé ce bagage? Il faut absolument qu'on le retrouve. Eh oui, forcément, la protection des bagages, ça va également avec la sécurité. Ben voilà, c'est déjà la fin de cette émission, Fouad. Ouais. Merci, merci mille fois pour l'accueil que tu nous as réservé. Merci à l'aéroport, merci à la société de l'aéroport EDIS. Merci également à Jonathan, merci à Olivier, merci au chef des bagagistes. Viens avec nous! Merci au chef des bagagistes, merci à tous les bagagistes, merci à la PAF, merci à tout le monde qui nous a permis... EDIS, on l'a dit, mais qui nous a permis effectivement de pouvoir faire cette émission et vous montrer tout le circuit des bagages. Viens, Jonathan, avec nous. Et puis, on change pas une équipe qui gagne. Hein. Si vous aimez Mayotte, si vous aimez les bagagistes, si vous aimez l'aéroport, si vous aimez Fouadi, eh bien, dites-le. Mais faut pas dire comme ça. Ça concerne Mayotte. Non, faut le dire fort et en étant fier et en criant. On se retrouve la semaine prochaine. Ça sera évidemment sur la même chaîne, à la même heure, avec d'autres invités pour de nouvelles aventures. D'ici là, soyez prudents. Ciao. Je peux partir avec le bagage, moi? Non. Oh, mais si, moi, je pars avec le bagage. Oh.